Salut à tous, c'est Candice pour la chaîne des Bugs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la Bugs Pousse Pousse du mois d'octobre. Alors donc comme chaque mois, on retrouve notre petit fascicule qui nous indique donc les produits du mois avec notre thème donc qui est sur la lessive. Donc on va, comme je le disais le mois dernier, ce que je pensais, on va pouvoir fabriquer notre propre lessive. Donc ça c'est super cool. Alors donc on a toujours notre petit livret qui est super bien décoré, qui est plein d'indications, donc c'est vraiment super. Donc au niveau du thème, donc on a vraiment des explications sur la lessive, donc pourquoi faire sa propre lessive, pourquoi la fabriquer. Et donc voilà, on a plein de petites indications comme ça qui sont vraiment super, qui nous montrent que bah, ça nous permet déjà d'avoir des bonnes choses, d'avoir quelque chose dont on connaît les ingrédients. Et aussi bah, pour éviter les déchets puisqu'on n'achète pas de bidon plastique mais on met par exemple notre lessive qu'on fabrique dans une bouteille en verre. Donc ça c'est vraiment top. On a plein d'informations comme ça pour nous expliquer un petit peu comment on peut faire. Alors donc pour vous expliquer le contenu de la box du mois, donc on a déjà tout ce qu'il faut pour faire notre lessive maison. Donc on a du savon de Marseille, donc à chaque fois on a des petits sachets comme ça avec ce qu'il nous faut exactement. On a du savon noir dans un petit, une petite bouteille en verre. On a également des cristaux de soude. Et on a également une petite étiquette ma lessive maison, donc comme ceci, qui nous permet donc de la coller sur notre petite bouteille en verre. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Je ne l'ai pas encore fabriqué pour cette fois-ci, donc je ne vais pas tarder à le faire. Je l'avais déjà fabriqué une autre fois, enfin une autre sorte de lessive, c'était à peu près similaire. Donc voilà, je pense que ça va être top et puis c'est facile à... c'est très facile à faire, très facile à utiliser. Donc c'est vraiment pas mal à fabriquer soi-même. Ensuite, donc on a toujours sur le même thème, donc pour éliminer les tâches naturellement, on a de la terre de sommière, donc ça c'est quelque chose que je connais mais j'ai jamais testé, je l'ai dans mon magasin bio il me semble. Donc apparemment c'est un super détachant naturel, ce qui nous permet bah, de détacher vraiment tout avant de passer à la machine avec notre lessive faite maison. Ensuite on a des balles de séchage, donc ça je ne vais pas pouvoir les utiliser puisque je n'ai pas de sèche-linge. Mais en tout cas on a deux petites balles comme ça, si vous avez un sèche-linge vous pourrez les utiliser. Donc c'est marqué pousse-pousse dessus. Et en fait, ces petites balles, elles nous permettent de faire des économies puisque ça réduit le temps de séchage de 40%. Ça remplace les lingettes contre l'électricité statique. Ça a une durée de vie de 5 ans, donc c'est énorme. Ça évite les bouloches, elles n'utilisent pas de produits chimiques et conviennent aux personnes allergiques. Et on n'a plus besoin d'assouplissant, les balles font tout le travail. Donc voilà, c'est vraiment un bon truc à avoir si on a un sèche-linge. Moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas du tout, donc j'en ai pas à la maison. Mais en tout cas, si vous en avez, ce sera bien utile, je pense. Ensuite, donc, on avait un partenariat avec l'Arbre Vert pour ce mois-ci. Donc, ils nous ont glissé une petite poche en fait, de lessive qu'on peut utiliser. On nous dit que l'Arbre Vert, c'est une lessive qui est fabriquée en France, qui est disponible dans la plupart des grandes enseignes et sur leur site internet également. C'est un certifié écolabel européen, disponible aussi en recharge, donc ce qui nous permet de ne pas acheter à chaque fois les bidons. Hypoallergénique, donc ne contient pas de substances répertoriées comme responsables d'allergies cutanées, sans colorant et non testé sur les animaux. Donc voilà, ça reste un produit qui est pas mal du coup à utiliser si on n'a pas trop le temps de faire sa lessive maison ou si on n'a pas forcément l'envie. Donc c'est plutôt pas mal, d'où cette collaboration. Et donc la dernière chose qu'on a pour le mois, donc c'était une petite plante, donc comme chaque mois. Les deux mois d'avant, on avait des petits cactus différents. Et là, on a du lierre, donc je suis super contente. C'est quelque chose que je peux mettre sur ma table de chevet, que je trouve très joli aussi. Et en fait, ils nous ont glissé du lierre tout simplement parce que sur leur site internet, on a une recette de lessive à faire soi-même avec des feuilles de lierre. Donc c'est vraiment top. En tout cas, moi, c'est une plante que j'aime beaucoup. On avait toujours le petit pot qui est glissé avec. Hein, et on a l'étiquette, donc on peut coller aussi. Comme ceci, donc pousse-pousse, avec donc la collaboration du mois qui est avec Blue Note. Donc voilà, c'est cette personne-là qui a confectionné cette étiquette qui est très jolie, qui est très colorée comme à chaque fois. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour la box qui me plaît énormément ce mois-ci, comme à chaque fois. Il y a un thème particulier qui est abordé, c'est toujours intéressant, on a plein d'informations aussi, donc c'est vraiment super. Donc j'espère que la box vous aura plu également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et puis moi, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine ouverture de box. Ciao !